Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, ils ont dû observer qu'il y avait quand même beaucoup moins de contenu ces derniers temps. En fait, on a un problème d'usure du matériel, d'usure des femmes et des hommes. Et donc, on va avoir un de nos besoins, ça va être du monde pour nous aider, du monde pour faire de la rotation. On peut former tout le monde à organiser des plateaux, à monter, faire du montage. On a des monteurs qui nous aident, mais on peut aussi aider à apprendre à monter. Enfin voilà, on va avoir besoin d'aide matérielle et d'aide humaine, parce que sinon, on ne va pas arriver à tenir. En fait, c'est quelque chose, faire un plateau télé, en fait, ça prend pas mal d'énergie, parce qu'il faut s'installer, il faut être sûr qu'il y ait l'électricité, une tente, un endroit où on peut s'installer calmement et proprement et créer une sorte de bulle. Et une fois qu'on a installé cette bulle, il faut qu'il y ait des gens qui viennent devant la caméra, et donc il faut faire une petite pêche, une petite enquête, aller sur la place ou aller ailleurs, faire venir des chercheurs, etc. Donc tout ça, ça nécessite du travail. Et tout ce travail-là, ben voilà, ça nécessite des hommes et des femmes. Des femmes et des hommes, excusez-moi. Et donc voilà, ça c'est le premier truc. Donc nous, sur ce constat-là, ce qu'on a un peu décidé, c'est de baisser la cadence des émissions, de faire en fait au maximum un JT par jour, sauf le lundi qui va être une journée off. Donc c'est un peu l'actualité de Nuit Debout sur toute la France, avec les vidéos qu'on nous envoie, les participations des gens. En fait, on a déjà 4-5 personnes qui nous envoient des sujets et qui nous envoient aussi une sélection de l'actu. Donc on a vraiment de la chance, parce qu'il y a plein de gens qui nous aident, qui ne sont pas forcément présents sur la place, mais qui nous regardent et qui nous aident et qui nous rapportent des informations. Et donc avec ça, on arrive à faire un petit JT voilà, quotidien. Et du coup, on ferait ça 5 à 6 soirées par semaine. Et on additionner à ça des plateaux, mais alors on est un peu en train d'anticiper sur la période d'été, j'imagine que ça fera partie de la discussion de tout à l'heure, mais l'idée ce serait d'avoir un à deux plateaux. Alors ce qu'on appelle un plateau, c'est 3-4 invités auxquels on donne 30 à 40 minutes de parole, avec qui on interview, avec qui on discute. Et ça peut être un débat, ça peut être plein de choses, on peut être très inventif, il peut y avoir même des cours de cuisine, on a envie de faire ça aussi. Donc voilà, il y a plein d'idées, mais pendant ces périodes-là, quand on fait un plateau, ça veut dire qu'il y a plusieurs caméras. S'il y a plusieurs caméras, ça veut dire qu'il faut plusieurs cadreurs. S'il y a plusieurs cadreurs, ça veut dire que... Pardon ? Il faut que j'accélère, je vais trop... Oui. D'accord, ok, pardon. Bon, voilà, vous avez ma proposition, et voilà, c'était le problème, et ensuite on discutera des solutions, excusez-moi. Mais d'abord, contrairement à ce que vous avez pu lire dans la presse, ça se passe pas si mal que ça, parce que de toute façon, le gouvernement, il a perdu déjà près de 4 mois, ça c'est le premier point. Deuxième point, il n'arrête pas d'annoncer en permanence que nous sommes en train de disparaître, que la mobilisation chute, et ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas, et c'est d'autant moins le cas que jusqu'à présent, le Front syndical, qui était composé essentiellement de FO, de Sud et de la CGT, va s'élargir, puisque la CFE-CGC va rentrer dans le Front syndical. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Hein, ça, c'est des éléments. On était un certain nombre à penser que la CGT avait des chances de nous lâcher en cours de route au moment de l'entretien avec El Khomri. Ben, ça n'est pas le cas, puisque la CGT a présenté une plateforme en 10 points qui a été refusée par le gouvernement, donc elle continue à appeler à la mobilisation. Et je crois qu'effectivement, pour eux aussi, la mobilisation du 23 et la mobilisation du 28, c'est des points importants. Pour savoir, un coup on me dit de parler doucement, un coup on me dit de parler fort, moi je ne sais plus à la fin. Voilà. Voilà, et c'est des points importants. Par rapport à Nuit Debout, je crois qu'on a démontré l'autre fois qu'on était capable d'être nombreux. Il y a eu un certain nombre de hiatus qui ont fait qu'on avait peu de visibilité pour la prochaine mobilisation. Dans le parcours, pour la prochaine manif, le parcours c'est Bastille Nation. On a décidé, comme on ne savait pas exactement où c'était, de se fixer un rendez-vous au 69 rue de Lyon. Donc ça nous permettra, en cas de problème, de bouger assez rapidement. Mais 69 rue de Lyon, à partir de 13h, la manifestation partant à 14h. Après, je laisse aux copains qui doivent effectivement préparer le travail
de voir comment ils font au niveau des codes couleurs. J'ai entendu parler de codes couleurs et tout ça, ça c'est à définir ultérieurement après la réunion, c'est pas le lieu maintenant. Voilà, je crois que j'ai... Oui, c'est métro Bastille, mais je pense que quand on dit Bastille, c'est métro Bastille. Voilà, donc voilà, métro Bastille. La rue de Lyon, c'est une rue qui part, la rue de Lyon, voilà. Hein, et le 69, c'est juste devant une boutique d'audioprothésiste. Pierre, voilà. Albin, chantez. Comme le gouvernement est sourd, on va leur chercher du matériel pour les équiper. Donc c'est Gérard le suivant ? Oui, je vais essayer d'être bref. Là, j'ai entendu, effectivement, on est un certain nombre à être là depuis le 31 mars. On est un certain nombre à en avoir ras la casquette par moment, à être fatigué et tout ça. Mais là, quand j'entends dire que, effectivement, à partir de demain, on n'a plus de sérénité, ça veut dire concrètement qu'avant même la fin du combat contre la loi travail, on sera obligé d'abandonner la place. Et c'est ce que vous voulez, effectivement, qu'on abandonne la place ? Non, et je crois que là-dessus, il faut qu'on se donne les moyens d'être là jusqu'au 28, qu'on se dise effectivement, collectivement, on était réunis le 31 mars ensemble contre cette putain de loi travail. Excusez, vous pouvez faire le signe du sexisme. Hein. Mais on était là collectivement contre cette loi travail. Il faut effectivement que jusqu'au bout, on se batte. Partir maintenant, ça serait faire un cadeau magnifique au gouvernement. Ça serait lui démontrer qu'ils nous ont eu à l'usure. C'est ça ce que ça veut dire collectivement, concrètement. Les copains de la sérénité sont fatigués, et bien effectivement, on peut nous, au niveau des commissions, dire on va essayer de former une sérénité qui puisse garantir que jusqu'au 28 juin, à minima, jusqu'au 29 juin, on peut effectivement tenir cette place. Et d'ici là, on s'organise pour la tenir jusqu'au 29 et jusqu'après. Des copains parlaient de vacances debout, ben ça peut être vacances debout, ça peut être plage debout. Voilà ce qu'il faut se dire. C'est pour les gens, c'est un symbole, la place de la République. C'est pas uniquement quelque chose où se réunissent des gens qui parlent, c'est un symbole, c'est un lieu qui a matérialisé le refus d'un monde. Gardons-le en mémoire, essayons d'agréger d'autres personnes et essayons de nous dire qu'avec les vacances vont arriver d'autres gens sur cette place qui vont nous relayer. Je pense qu'on est nombreux à se demander pourquoi on s'arrête à 20h. Qui l'a décidé ? Bien, alors on nous répondra après. Je ne veux pas passer mon temps à ça. Non, mais en fait, on peut se faire ça tranquillou, cette discussion-là. Il y a une thématique, Nuit debout demain. C'est-à-dire, on présentera ça après, ce que ça veut dire. On peut très bien faire que cette assemblée se continue comme ça, ad lib. Et se mettre ailleurs après avec un mégaphone et parler de la pérennisation du mouvement ensemble et ce genre de choses. Donc on n'est pas obligé de se confronter sur est-ce qu'on fait ça maintenant, juste après, et qu'on arrête toutes les... On peut voter ça d'ailleurs après si vous voulez. Mais c'est vrai que c'était... Enfin, ce qui était prévu, c'est qu'il y avait... Bon, voilà... par des gens qui ont... Point technique sur l'assemblée de coordination. C'est juste une réponse à l'INSEE. On l'a décidé ensemble et la précédente assemblée de coordination est sur plusieurs formes, en place le format. Et pour nous, c'est important d'arriver à des pseudo-décisions. Et si là, on a besoin de continuer tous ensemble qu'on ait à discuter de ce sujet, on pourra. Par contre, ce serait bien d'arriver à se dire, par exemple, formuler quelles sont les étapes, quelles sont les hypothèses possibles sur la fin du mois. D'ici 20h qui est notre fin, et comme ça après les discussions de fond, parce qu'on veut boucler les trucs en 2 heures, parce que c'est ça qui réalise parce que c'est ça qui les réalise d'avoir comme format 2 fois par semaine. Écoute, le réalisme, on en crève. Le PS, tous les gouvernements nous enferment dans des formats pour soi-disant le réalisme et le pragmatisme. Et ici, alors qu'on n'a pas de patron, on n'a pas de gouvernement, on n'a pas d'Assemblée nationale, on n'a pas de parti, on s'impose nous-mêmes des formats qui n'ont pas de sens. Puisqu'on est bien là, je vois pas pourquoi on continue pas. Bon, mais je n'avais pas décidé de prendre la parole là-dessus, je relayais ce qui se disait autour et que personne ne répondait. Bon, c'est très gênant derrière de vous disputer parce que je n'entends pas.
La question est très grave. La question est très grave parce que je ne sais pas si vous avez compris, comme l'a dit tout à l'heure Patrick Gérard. La question est que certains ne veulent pas continuer. Que certains soient fatigués, je le comprends. On est tous fatigués. Moi aussi, je suis là depuis le 30 et on est nombreux à ça. Le problème, c'est qu'on s'est fatigué à des choses que personne nous a demandées. À des structures, des commissions, des coordinations de commissions, de retenir des salles ici, là-bas, en dehors de la place. Des usines à gaz dont le mouvement spontané qui est né le 31 n'a pas demandé cette construction. Et c'est pour ça qu'on est fatigué et c'est pour ça qu'on arrêterait, mais on a complètement oublié le but. Pourquoi cet élan est né le 31? Pourquoi on est sorti de nos télévisions, de nos isolements, de nos dépressions? Parce qu'on voulait remettre en cause le monde. Et ce monde-là, tout d'un coup, après 2 mois et demi, parce que des commissions structurelles sont pas assez nombreuses, ont décidé, on s'arrêterait. Non, mais je parle avec passion, parce que ça aussi, je voudrais vous le dire, si on ne met plus de passion, si on met plus de poésie, si on met plus de choses très particulières, quelqu'un tout à l'heure disait, ne parlez pas avec des gros mots, mais il y a des gens qui parlent avec des gros mots, on les exclut ceux-là, on fait comme dans les écoles supérieures, on fait comme dans les salons mondains, il faut avoir le passeport, le bon costume, le bon mot, mais on est où? On est sur une place, on va y rester, parce que c'est un symbole, ce n'est pas une centralité, tout le monde nous regarde. Et le temps de parole, c'est pareil, ça suffit aussi, on va pas faire un quart d'heure, mais en 3 minutes on peut pas tout dire. Alors juste une dernière chose sur la loi travail. Ce n'est pas vrai, c'est une réécriture de l'histoire que de dire qu'on est venu que pour la loi travail. On est venu là parce qu'on a dit on ne veut plus rentrer chez nous. Ne plus rentrer chez nous, c'était pas seulement la loi El Khomri, c'était tout le gouvernement, c'était tout ce monde capitaliste. Ce n'était pas que la loi travail. Et je ne veux pas, personnellement, dites-le, dites pourquoi vous êtes là, vous, est-ce que vous voulez que demain il n'y ait plus rien sur cette place et qu'ils disent on a gagné? Est-ce que vous voulez que demain, même si on gagnait sur la loi travail, on s'en crie les lois Macron et le reste? Non! Eh bien alors on reste là jusqu'au bout et même cet été. Mais qu'est-ce que c'est que ce défaitisme, cette fatigue? Je ne comprends pas, c'est ça qui fait qu'on est de moins en moins nombreux, parce qu'on se fait chier, et je vais employer des gros mots, on se fait chier depuis 1 mois et demi, 2 mois par des trucs d'organisation dont on n'a rien à foutre. On veut être là pour se parler et on veut aller en manif et on veut être là et ailleurs et pour longtemps. Donc ça suffit, les vacances debout, oui. La loi El Khomri, ce n'était qu'une goutte d'eau et tout d'un coup on en fait le seul horizon. Mais oui, il faut être dans les manifs et j'y suis dans les plus casse-cou. Mais il faut continuer ici. Le travail que nous avons à peine commencé, c'est de se parler, de se donner du courage, de l'espoir pour changer le monde. La question est comment tenir, comment faire durer le mouvement. Je crois que la communication, c'est le nerf de la guerre. On a un gros souci de com. On ne se connaît pas entre commissions. On ne sait pas comment se joindre. J'entendais tout à l'heure un intervenant dire « Bon, voilà, j'ai un projet. Donc, il y a une telle dans la foule. Contactez-la. Regardez Framastad et Wiki. » Et Wiki, en fait, comment? C'est quel Wiki? Quelle adresse? Quel Framastad? Quelle personne? Quel 06? On ne sait pas comment se joindre. La seule possibilité qu'on avait, c'était de venir ici sur la place et d'aller chercher une page A4 à l'accueil, là sous la tente bleue, où il y avait la liste de toutes les commissions. J'y suis passée à l'instant, il n'y en a plus. Il y a nuitdebout.fr qui est un site assez connu, cohérent, sur lequel on trouve l'Open Agenda, sur lequel on trouve Gazette Debout, mais on ne trouve pas les commissions, on ne trouve pas les numéros de téléphone. Donc si on veut se joindre, organiser des conférences ensemble, savoir un petit peu qui fait quoi, comment, c'est impossible. Sans cette communication, et on est quand même à l'ère de l'informatique, on n'arrivera pas à tenir la place, parce qu'on n'arrive pas à se parler, à savoir où sont les stands, où sont les personnes, et s'il n'y a pas ce minimum, on n'arrivera pas à tenir l'été. Donc moi, je prends la parole pour demander, et on me dit de s'adresser à Media Center, mais qui est Media Center? Même ça, je ne sais pas comment les joindre. Comment voir la feuille qui manque là-bas, sous la tente bleue? Je ne sais pas à qui m'adresser. Je pense qu'il faudrait essayer d'organiser, et j'adresse un appel à Media Center, ce bel inconnu,
d'organiser une page sur nuitdebout.fr sur laquelle on puisse trouver toutes les commissions. Pour rebondir sur ce qui s'est dit un petit peu plus tôt sur le formalisme et le fait de s'organiser, c'est un peu obligatoire de s'organiser, c'est aussi un laboratoire la place pour ça. Donc ça fait aussi partie de notre travail. Alors on se fatigue parce que justement on expérimente, donc c'est fatigant. Donc oui, il y a des gens qui sont fatigués, mais il y en a qui ont encore la niaque, il y en a qui ont encore envie de venir, il y en a qui ont encore envie d'occuper cette place. Donc j'invite les gens qui sont un petit peu fatigués à ne pas être trop défaitistes, à ne pas engager ce défaitisme dans des gens qui ne sont pas encore dans cet état-là. Par rapport à ça, il y a eu aussi un autre message qui s'est dit par rapport au petit carré rouge, vous vous souvenez ? Je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant par rapport à ça. Après, il ne faut pas se formaliser aussi sur le format du carré rouge. Donc effectivement, je pense qu'il y a quelque chose de très important à mettre en place, surtout avec les vacances. Faut pas hésiter à se mettre ce petit carré rouge ou trouver un autre format avec un pins pour montrer aux gens dans la rue, à votre travail, dans les transports ou sur la place que vous êtes prêt à parler. À parler de ce qui se passe avec Nuit Debout, à parler de ce qui se passe avec la convergence des luttes. Je pense que c'est très important de voilà, ou un cordon blanc, ou enfin, on peut en discuter et trouver un signe distinctif qui soit clair et qu'on puisse communiquer sur ce signe distinctif pour que les gens n'aient pas peur de venir nous voir. Voilà, apparemment il y a un cordon blanc déjà qui a l'air d'être en place. Une ficelle, un bout de ficelle. Et c'est vrai que c'est une bonne idée, le lien. L'idée du lien, c'est une très belle symbolique. Donc il y a ça. Voilà, donc le lien, pensez au bout de ficelle. Je pense que c'est une bonne idée, on en rediscutera. C'est quelque chose d'important à mettre en place. Sur un autre principe de coordination. Moi j'ai envie de travailler cet été, pour l'instant je fais surtout des vidéos pour Nuit Debout et puis je passe un petit peu de commission en commission, je discute un peu avec tout le monde. Moi j'ai envie de créer la signalétique sur la place cet été pour que ce soit plus clair pour les gens qui arrivent sur la place, quand ils arrivent, quelle commission est, sur quoi elle parle, quel stand c'est, que ce soit plus clair, que ce soit plus simple. Il y a plein de choses à mettre en place au niveau de la signalétique, ça peut être divers et varié, ça peut être mobile ou fixe. Mais en tout cas, il faut qu'on y réfléchisse. Donc je vous invite à venir me voir si vous avez envie de participer à cette aventure de signalétique. Ça puisse servir ici et sur d'autres places. Ou même faire de la signalétique en manifestation. Ça peut être utile aussi. Donc pour renseigner sur ce point-là, venez me voir. Florian, n'hésitez pas. Et bon courage. Merci.